La basilique Saint-Praxède est une basilique mineure, romaine, située près de la basilique Sainte-Marie-Majeure et dédiée à Saint-Praxède. L'entrée se fait par un petit portique médiéval qui donne accès à la nef centrale et aux mosaïques des arcs triomphaux et de l'abside. Les mosaïques ont été réalisées par des artistes byzantins au IXe siècle. La basilique Sainte-Praxède fut construite au VIIIe siècle pour le pape Hadrien Ier en 780. Le titre de Sainte-Praxède a été établi par le pape Évariste vers 112. Le premier arc triomphal représente la Jérusalem céleste entourée de remparts. À l'extérieur sont les élus qui attendent d'y entrer. La mosaïque de l'abside est consacrée à Sainte Praxède et sa sœur. Lors de leur montée au ciel, elles sont accueillies par les apôtres Pierre et Paul, qui les conduisent au Christ visible au centre. Le dernier personnage représenté à partir de la gauche, le pape Pascal, avec dans ses mains une miniature de l'église. Il est entouré d'un nimbe carré, signe qu'il était vivant au moment de la représentation. De l'autre côté est représenté Saint Zénon. Après la mort de sa sœur, Pudentienne, Praxède, fille d'une ancienne famille noble, recevait nuit et jour des païens venant en foule pour le baptême. Marc Aurèle, n'acceptant pas ce fait, bon nombre de croyants furent pris et massacrés. La chapelle latérale dite de Saint Zénon accueille une représentation du jardin du paradis. Elle possède un ciborium et une mosaïque représentant les apôtres. La chapelle abrite le tombeau de la mère du pape Pascal Ier. Elle est remarquable par sa structure médiévale restée intacte. De merveilleuses mosaïques décorent aussi les murs.
Le Christ est représenté sur la voûte, soutenu par des anges. Les apôtres Jean, André et Jacob y sont aussi, ainsi que le pape Pascal. Le sol en marbre polychrome est l'un des plus anciens qui soit connu. Le Christ est un Christ en gloire, c'est-à-dire la représentation artistique de Jésus-Christ dans son corps glorieux, et cette toute-puissance est remarquable par une lumière sans ombre. Ce nimbe qui entoure la tête et des symboles comme les lettres grecques alpha et oméga.